vol. Le baron est sacrément remonté. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais ça ne lui a pas vraiment plu. Ce n'est que mon premier coup. Il s'est procuré de nouveaux chars à Spig, Grenagarde. Les rues de la ville sont risquées pour les souterrains. On a déjà perdu 5 hommes cette semaine. Vos hommes devraient pouvoir se protéger tout seuls. Mais je veux bien m'occuper de quelques chars, si c'est là où vous voulez en venir. Te mouille pas pour une grande cause, hein, Jack? Bon, j'accepte votre aide, quelle qu'elle soit. Éliminez les 5 chars à Spik. Le baron devrait comprendre le message. Thank you.
Comment ce petit pourrait-il nous sauver? À son âge, il ne peut pas rivaliser avec le chef des Metalheads. Oh, Jack, nous parlions justement du plan de Samos. Onim dit que ta voix lui est familière. Je parie que vous êtes de vieilles, vieilles connaissances, non? Onim souhaite te mettre à l'épreuve, Jack. Tu nous as prouvé ton aplomb et ta force. À présent, tu dois nous prouver ton intelligence. Franchement, elle pousse un peu, mais c'est elle le boss. Réussis le test et le troisième morceau du sceau sera révélé. Prêt? Vas-y! Tu te débrouilles bien! Wow, pas mal! Onim t'a eu! N'attrape que les symboles que tu vois! Si tu attrapes plus de symboles qu'il n'en existe réellement, tu seras pénalisé! Elle t'a encore bien lu. C'est quoi ton problème? Ce symbole n'était pas là. Pénalité. Plus vite, plus vite. Vite, tu loupes des symboles. Incroyable, tu as gagné. J'en reste sans voix. Et ça, c'est rare. Tous les morceaux de Mars sont réunis. D'après Onim, les trois objets que vous avez récupérés au temple de la montagne sont les vestiges d'un ancien phare. Des chants anciens attestent que ce phare éclairait jadis le site du tombeau de Mar. Je vais vous en chanter un bout. Dans les brumes du temps, la lumière de Mar brillera. Wow, hé, le rossignol, dis-nous juste ce qu'on doit faire. Ces crétins n'ont aucun goût. Vous devez emporter les trois objets à la porte de Mar. Alors seulement le phare apparaîtra et révélera le tombeau. Rien pour le moment. Activité suspecte dans ce secteur. Attention, description des suspects.
quitter la zone de sécurité. Décontamination terminée. Bouclez la zone. Cette zone est interdite. Thank you.
Vous quittez la zone de sécurité. Tu as réussi, Jack. Tu as retrouvé le tombeau de Mar. Super. Et maintenant, on envoie ce pauvre enfant à l'abattoir ? J'ai longtemps attendu le jour où enfin je tiendrai la célèbre pierre des précurseurs entre mes mains. Sois prudent, mon garçon. Les épreuves du passage à l'âge adulte sont très périlleuses et l'héritier de Mar doit les affronter seul. Ça va aller, petit. Tu peux y arriver. C'est juste un vieux tombeau, grand tout noir et qui craint à mort si tu veux mon avis. Moi, je n'irai pas, gamin. Bienvenue, héritier de Mar. Je suis enfin en présence de l'élu. Entre et montre-toi digne de cet héritage. Non, cet enfant est trop jeune pour affronter les épreuves. Quoi ? Non ! Fais quelque chose, Jack. Jack, tu n'oublies pas le passager qui craint à mort si tu veux mon avis. Nom d'une termite, il est parti affronter les épreuves. Non, il est parti affronter la mort. Pas juste. Thank you.
Seuls les faibles utilisent des armes.
Ah, Daxter, te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai passé un sale moment. Merci pour ton aide. Bienvenue, jeune guerrier. Ça faisait une éternité que l'on espérait, et aujourd'hui, tu as prouvé que tu étais digne de recevoir le legs de Mar. Il parle de moi? Merci, votre statuité. C'était pas si dur que ça. Tu vas recevoir un objet au pouvoir colossal impliquant une grande responsabilité. Il y a des siècles, les précurseurs ont livré une terrible guerre contre les Horaquans, ces créatures maléfiques que vous appelez Metalheads. Leur chef les a envoyés anéantir notre belle civilisation. Aujourd'hui, ils grouillent dans l'univers à la recherche des dernières reliques de notre pouvoir. Mar a caché la pierre des précurseurs dans ce tombeau pour l'en protéger. C'est notre dernier espoir et tu en es désormais le garant. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je veux juste la pierre. Il est temps d'accomplir ta destinée. Regarde. Waouh ! Allez, prenons-la ! Imbécile ! Vous m'avez conduit à la pierre. Vos pauvres petits souterrains n'ont pas fait le poids contre mes hommes. Maintenant, je vais avoir le pouvoir nécessaire pour écraser mes ennemis. Je récupère la pierre et je m'occupe de vous. Malédiction ! La pierre des précurseurs ne t'était pas destinée. Bon, ça suffit, là! Tu crèves ou quoi? Ah, mais donne! Lâche-la! Mes petits amis vont s'occuper de toi! Surprise! C'est moi le sauveur de la ville, pas toi! Et à ma merci. J'ai un cadeau pour toi. Salut les anges de ma part. Mes petits amis vont s'occuper de toi. Beaucoup à ta douleur. Lâche-la! Elle est à moi, cette pierre! T'en veux encore?
qu'on en finisse maintenant. Brûle en enfer. Ah ah! Viens voir un peu. Tu ne peux pas leur échapper. Je veux cette pierre. Goûte un peu ça. Je t'ai eu. C'est fini. Que penses-tu de ça? Brûle en enfer. Je compatis beaucoup à ta douleur. Il a la pierre des précurseurs! Tels sont les pouvoirs de la pierre dans des mains expertes. Salut les anges de ma part. Ha ha! Tous me craindront à présent. Tu ne peux pas leur échapper. C'est ta prière. Je compatis beaucoup à ta douleur. Prends ça! De ma part. Toi, t'es loin d'avoir la carrure pour ça. Prends ça! C'est peine perdue! Voilà. Salut les anges de ma part. Mes petits amis vont s'occuper de toi. Salut les anges de ma part. Goûte un peu ça. Je ne peux pas leur échapper. Mes petits amis vont s'occuper de toi. Compatis beaucoup à ta douleur. C'est à moi! Il a la pierre des précurseurs! Tu ne peux pas leur échapper. Surprise!
On n'échappe pas à son destin. Je compatis beaucoup à ta douleur. Tu ne peux pas y échapper. Bien tenté. Mais la pierre est toujours à moi. Ne vous en faites pas. Je l'utiliserai au maximum de sa puissance. Bientôt, ceux qui s'opposent à moi seront anéantis. Bienvenue. Bouclez la zone. Cette zone est interdite. Comment le baron a su qu'on était sur le point de s'emparer de la pierre? C'est de ma faute. Le baron menaçait de tuer Ashlyn, sa propre fille. Je ne pouvais pas prendre ce risque, même pour les souterrains. Ok, bien vu. Maintenant que Praxis détient la pierre des précurseurs, il peut faire tout ce qu'il veut. Il reste un moyen de faire revenir nos amis, et peut-être même la pierre des précurseurs. Je vais chercher Vin. Allez à la forteresse, on vous appellera. Pourquoi est-ce qu'on vous ferait confiance? Parce que vous savez comme moi que le baron aurait tué Ashlyn. Ça va barder à la forteresse. C'est du suicide. Contentez-vous d'ouvrir cette porte. J'y serai. Activité suspecte dans ce secteur. Prenez le flanc.
Préféré. Oh, j'ai laissé Jack m'accompagner. Oh, mon petit héros. Samos, ça va? Vous en avez mis du temps. Pendant que je vous attendais, six nouveaux anneaux se sont formés sur mon tronc. Ça alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, Jack? Attendez une minute. Vous êtes vous? Enfin, l'autre vous. Je veux dire, vous savez bien. Eh oui, apparemment, j'ai un vieux jumeau. Partout les pissenlits. Comment ai-je pu devenir ce vieux rondin excentrique? De Samos les sages. Ah! Jack, ils se reproduisent! Il faut trouver l'enfant, et vite! Mais de quoi parles-tu, vieille branche? L'enfant a déjà ouvert le tombeau. Le plus urgent, c'est de neutraliser les forces du baron. Oh, tu calmes un petit bourgeon. Si tu avais la moitié de ma sagesse, tu saurais que le plus important pour le moment, c'est de trouver l'enfant. Écoute, vieille branche desséchée, c'est moi qui décide, et j'ai dit qu'on s'attaquait aux forces du baron. C'est pas bientôt fini, vous deux? Vin est en train d'activer le téléporteur, allons-nous-en d'ici. Cette zone est interdite. Patrouille du secteur nord. Bon, vous semblez réglo, les gars. Comme le chef est en train de pioncer, on va pouvoir parler franchement. Ça fait des années que je suis le garde du corps de Crow, et j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Mais cette fois, je crois bien qu'il manigance quelque chose de vraiment terrible. Je pense abandonner. Ah, Sig commence à nous apprécier, Jack. Dans mes bras, mon gaillard. Claquez-vous, Osmar. Tais-toi. Je crois que Crow est cette... Chut, il se réveille. Calmos. Je vais me charger de lui. Salut, mon gros. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver en haut de la chaîne alimentaire? Il fait beau là-haut. Ouh, maître Crow, vous avez fait de l'exercice. Vous avez l'air en pleine forme. En grosse forme. Et ses jambes. Oh, elles sont si athlétiques. Vous avez travaillé. J'ai besoin de vous pour conduire trois de mes hommes dans les égouts. Ils doivent revoir cette statue. J'ai entendu dire que la tête de mare renfermerait un autre secret.
Je veux que vous vérifiez si c'est vrai, hein? Surtout, assurez-vous que mes trois hommes parviennent à la statue. Ils s'occuperont du reste, hein? On passe au secteur suivant. Sacrifiez-vous pour votre ville. Mais... Activité suspecte dans ce secteur. Ce serait pas l'écho dégénéré. Où est Kira? T'inquiète. Je garde un œil sur la princesse. On ne parle que de toi en ville, Jack. Tu redonnes de l'espoir aux gens. C'est pathétique. J'aurais aimé en finir avec toi en prison. Mais ça va être tellement plus drôle de te battre sur le circuit, devant toute la ville. Je peux entendre déjà la clameur de la foule, face à l'échec de son cher héros. C'est bon de te revoir, papa. Oui, ça fait du bien d'être à nouveau libre. Tu sais, Kira aime les gagnants. Un jour, elle sera ma mécanicienne. T'approches pas d'elle. Ah, Erol est le meilleur pilote que je connaisse. Ne te fie pas aux apparences. T'es bien placé pour dire ça, toi. Ah, regarde-toi, il paraît que quand tu t'énerves, tu changes. D'ailleurs, le Jack que je connais ne travaillerait jamais pour quelqu'un comme Crew. J'ai besoin de ces relations pour vaincre le baron. Sans ce... Tu sais quoi? Agis à ta façon et j'agirai à la mienne. Mais ne viens pas pleurer quand les murs s'effondreront. Jack, mon pote. Qu'est-ce que tu racontes là? Jack? Jack! À tous les pilotes, les courses de classe 2 vont commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi qui vas piloter, Daxter. Si tu gagnes, nous serons qualifiés pour la finale du championnat. Ça doit pas être bien dur. Bien s'accrocher et maîtriser l'engin pour qu'il aille où je veux. Et puis il y a l'autre truc là, pour aller plus vite.
Tout ce qu'il faut, c'est foncer. Je peux le faire. Paris au décollage. Voilà une récompense à ma taille. Bravo, Daxter. Grâce à toi, on est qualifié pour la grande course. T'en doutais? J'ai toujours été le copilote de Jack. Hey, il vient quand le gros bisou pour le vainqueur? Plus tard, peut-être, si tu es gentil. Salut. On les a bien mis à leur place, ces nulos de classe 2. J'ai vu. Tu sortais un peu trop dans les virages parfois, mais tu rétablissais bien. Je suis fier de toi. Vraiment? Ouais, t'as été super. Non! On a été super! Un partenaire! Rien pour le moment. On passe au secteur suivant.
Le baron recommence à faire des siennes. Les souterrains ont été informés que plusieurs grenats explorobots visent la cachette. Ce sont des bombes blindées qui pistent leurs cibles. Si un explorobot arrive jusqu'ici, nous sommes morts. Oh, de quoi tu peur, vieil homme? Tu as déjà un pied dans la tombe, de toute façon. Eh bien, si tu avais fait davantage attention à toi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Éliminez ces explorobots avant qu'ils n'atteignent la cachette, Jack. Mais ils ont des systèmes défensifs, alors prudence. Bonne chasse. Je pense qu'on dormira mieux ce soir. Quittez la zone de sécurité. Hé, hey, voilà notre homme. Ben, t'es un ami du temps. Bon, on y va. Crew a dit que t'allais nous protéger jusqu'à la statue. J'ai 30 blocs d'explosifs dans le dos. Une vraie bombe humaine. Ouais, pourquoi on fait ça déjà? Fermez-la tous les deux et foncez droit devant. On descend. T'es sûr? Par là. Vous avez entendu? On va mourir, les gars. La fée. Ah! Un métalède! Tuez-le! Tuez-le! Mais quel refus! Faut les descendre ou on va crever!
Bon boulot. Vous êtes coriens, ces Metalheads. Ah, ils descendent les murs. T'as la gâchette chatouilleuse, toi. Jack, ils vont me réduire en bouillie. Et voilà, à moi de jouer maintenant. Ouais, vas-y, Jinx. Bouchez-vous les oreilles. Aux abris, oui. Ça va péter. Garde la tête baissée, tu veux, mon chou. Mais Jinx, qu'est-ce que t'as mis dans ces explosifs? Ton haleine, crétin. Allez, on bouge. J'adore ce boulot. Encore des mondes. Il en arrive aussi de derrière. Génial, on est coincé dans ce cloaque puant. Vas-y, bute-les, petit gars. Tu t'en sors pas mal avec ce bout de ferraille, mon kiki. Jack, mon héros. Ferme-la, Mog. On se casse avant de tous mourir. Je veux rentrer chez moi. L'odeur du soufre est enivrante. Bougez vos fesses ou je m'en charge pour vous. Oh, ça pue ici. Vos trous. La voilà les monstres. Tire, petit, tire. Oh, oh, je me suis pissé dessus. Attention! Bien joué, mec! Tu sais que je t'aime, toi? Moi, les rayons de la mort! Je reste là en attendant que tu t'occupes de ça! Regardez-le! Joli! Moi aussi, je peux le faire! Ouais, dans tes rêves, Bouboule! Ok, on est mal barré là! Jack, à toi de jouer! Un véritable enfant de cœur! Écrase-les, mon vieux! On s'arrête pas. Recule, je vais faire exploser tout ça à distance. Et un égout débouché, hein. Vous entendez ça? Oh, je crois que j'ai pété. Ah, le plafond brouille. Jack, il y a des métalettes partout. C'est un piège. Vous quittez la ville. Hé, et voilà notre homme. Ben, t'en as mis du temps. Bon, on y va. Crew a dit que t'allais nous protéger jusqu'à la sta... Vise un peu mieux, petit. Hé, hey, et pourquoi ne pas me tuer? Non. Ah! Attention, vous quittez la ville. Et voilà notre homme. Ben, t'en as mis du temps. Bon, on y va. Crew a dit que t'allais nous protéger jusqu'à la statue. J'ai 30 blocs d'explosifs dans le dos. Une vraie bombe humaine. Ouais, pourquoi on fait ça déjà? Fermez-la tous les deux et foncez droit devant. On descend. T'es sûr? Par là. Vous avez entendu? On va mourir, les gars. La ferme. Ah, un métalhead. Fais-le, fais-le. Mais quel petit truc. Faut les descendre ou on va crever. Bon boulot. Ils étaient coriens, ces métalettes. Ah, ils descendent les murs.
Et voilà, à moi de jouer maintenant. Ouais, vas-y, Jinx. Bouchez-vous les oreilles. Aux abris, oui. Ça va péter. Garde la tête baissée, tu veux, mon chou? Mais Jinx, qu'est-ce que t'as mis dans ces explosifs? Ton haleine, crétin! Allez, on bouge! J'adore ce boulot! Encore des monstres! Il en arrive aussi derrière! Génial! On est coincé dans ce cloître! T'as la gâchette chatouilleuse, toi? Tu t'en sors pas mal avec ce bout de ferraille, mon kiki! Jack, mon héros! Ferme-la, Mog! On se casse avant de tous mourir! Je veux rentrer chez moi. L'odeur du soufre est enivrante. Bougez vos fesses ou je m'en charge pour vous. Oh, ça pue ici. Voilà les monstres. Tire, petit, tire. Oh, je me suis pissé dessus. Attention. Vous ne s'étiez pas trompé. T'as ça dans la peau, mon vieux. Moi, les rayons de la mort. Je reste là en attendant que tu t'occupes de ça. Oh, regardez-le. Joli. Moi aussi, je peux le faire. Ouais, dans tes rêves, Bouboule. Ok, on est mal barré là. Jack, à toi de jouer. Un véritable enfant de cœur. Écrase-les, mon vieux. Allez, et que ça saute, bande de larves. On s'arrête pas. Recule, je vais faire exploser tout ça à distance. Et un égout débouché, hein? Jack, c'est quelque chose! Allez, on sort de là avant le prochain arrivage. T'as pas perdu ta journée, toi? Allez, on finit ça. Il est hors de question que j'y retourne. Oh, la belle statue. Reculez, on est des pros. Ok, les gars, réglons-lui sans compte une fois pour toutes. Attendez, qui vous a dit de... Non! Voilà ce que nous cherchions, le cœur de ma... Encore merci, mec. On va leur apporter à Crew. Le fameux cœur de Mar était caché dans cette ignoble statue du vieux bonhomme. Rien de cassé, rien de gagné, telle est ma devise. Pour vous récompenser, vous trouverez un upgrade d'armes planqué dans une caisse au port. Thank you.
Vous rentrez dans la ville.